Reza Pahlavi, je sais que depuis ce matin, on peut vous appeler directement comme ça après votre passage chez Jean-Pierre Elkabbach, dont je vous félicite. Je voudrais simplement dire, en tant que directeur du CAP, que pour nous, c'est un grand honneur de vous recevoir pour la troisième fois. Donc vraiment, vous êtes un de nos habitués. Et je me limiterai à dire une chose, c'est que vous serez le premier visiteur à être là sans échafaudage. Car depuis 6 mois, nous avons des sculptures modernes dont nous nous serions passés. Mais ce matin, pour vous, tout est terminé. Donc, bienvenue au CAP, merci, une nouvelle fois. Merci beaucoup. Michaela, juste deux mots. Bonjour et merci d'avoir accepté l'invitation de l'Association de la presse étrangère pour présenter cette conférence de presse à l'occasion de la sortie du livre « Iran, l'ère du choix ». Et voilà, nous sommes heureux de vous accueillir ici dans ces lieux. Et je laisse la parole à notre président d'honneur, Elias Masbounji. Il y a quelques années, nous vous avions accueilli à l'APE et au CAP, mais dans d'autres locaux. Et j'avais eu l'honneur et le plaisir de vous présenter à mes confrères qui avaient découvert en vous le digne représentant d'une grande dynastie. Aujourd'hui, au-delà des titres royaux qui sont les vôtres, je préfère saluer en vous le patriote Reza Pahlavi. Tant le livre que vous allez nous présenter marque les changements et évolutions au niveau de votre action et de votre personnalité. Oui, le monde a changé, l'Iran aussi, et vous ne cessez pas de le marteler dans cet ouvrage qui est en même temps un constat, un programme d'action et un message. Qu'il me suffise de vous citer en réponse à une des questions de notre confrère Michel Taubman, qui vous a interrogé tout au long des 250 pages de ce livre. Aujourd'hui, dites-vous, je travaille avec les monarchistes comme avec les républicains, avec la gauche comme avec la droite. Je sépare mon activité d'opposant de mon identité institutionnelle. Je veux pour l'Iran une nouvelle constitution démocratique et laïque, fondée sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. Ce régime démocratique et laïque peut revêtir deux formes, dites-vous. Si la majorité des Iraniens choisit une monarchie moderne et parlementaire comme il en existe aujourd'hui en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas, en Espagne et au Japon, je m'en réjouirais. C'est l'option que je représente. Mais si la majorité se prononce en faveur d'une république parlementaire, je l'accepterai naturellement aussi. C'est là une constante que vous nous aviez définie. C'est là une constante que vous nous aviez définie lors de votre visite précédente chez nous. Cette fois-ci, avec votre livre intitulé « L'heure du choix », vous présentez une feuille de route. Le mot est à la mode, des lignes directrices de votre action et plaider pour un Iran tourné vers l'avenir. Dans vos propos que l'on pourra lire ici, vous lancez, Reza Pahlavi, un véritable appel à la communauté internationale. En homme d'État lucide, considéré par nombre d'observateurs comme la seule personnalité capable de fédérer les forces démocratiques du grand pays qui est le vôtre. Je vous remercie. Je voudrais vous dire que Reza Pahlavi va faire un préambule en langue anglaise, après quoi nous pourrons passer aux questions-réponses. La priorité absolue étant donnée aux journalistes. Et avant d'oublier, s'il vous plaît, éteignez vos portables, ce serait plus agréable pour nous. Votre Majesté. Merci infiniment. Je peux la faire aussi en français si vous préférez. Je ne sais pas. Vous préférez français ou anglais? Bon. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre accueil. Je tiens avant tout à remercier l'Association de la presse étrangère ainsi que le CAP pour organiser cette rencontre. Je suis en train de traduire mon texte anglais en français. C'est bien. Alors, si vous permettez, avant d'arriver à votre question-réponse, juste une brève statement, comme ils disent. Donc, je suis, comme vous l'avez expliqué ici à Paris cette semaine, pour parler de la publication de mon nouveau livre « Iran, l'heure du choix » et aussi
pour des rencontres que j'ai quotidiennement et d'habitude avec mes compatriotes qui sont actifs ici en Europe. Donc, au fait, cette dernière semaine, nous avons pu tous vu le lancer d'un missile satellite par le régime islamique. Nous avons aussi entendu ce week-end les leaders du monde occidental à leur rencontre à Munich se prononcer très clairement en envoyant des messages au régime qu'il était temps que le régime fasse son choix. En ce qui me concerne, il me paraît qu'un changement d'attitude ou comportement du régime reste pour autant pas évident. Par contre, le temps passe. Et est-ce que nous sommes éventuellement dans une confrontation, scénario de confrontation inévitable? Dans mon livre, je porte un intérêt particulier à m'adresser sur cette question en proposant une alternative que j'appelle la troisième voie, justement dans le but de trouver une solution pour éviter un scénario de confrontation. Et étant donné que je pense le processus diplomatique a, en règle générale, jusqu'à présent, échoué, et que justement, je pense que la plupart de nous ne voulons certainement pas avoir affaire avec un scénario de confrontation militaire, il reste au fait qu'une seule solution, celle de empowerment, de pouvoir rendre le pouvoir au peuple, aux Iraniens, pour ce qu'ils puissent, eux, et de l'intérieur, apporter un changement. Pour moi, c'est la seule scénario ou formule gagnant-gagnante, dans un sens aussi bien des intérêts de mes compatriotes et de l'intérêt de la communauté internationale, surtout de l'Europe, celle qui je trouve la plus légitime et certainement la moins coûteuse. Encore une fois, il est important de se rendre compte du facteur de temps. Nous ne parlons pas d'une période indéfinie. Il y a une course contre la montre. Est-ce que les Iraniens réussiront à obtenir un résultat et aboutir à une formule de démocratie en Iran, ou est-ce que ce régime arrivera à fabriquer sa bombe avant? C'est la vraie course. C'est là où est l'enjeu. Une chose est certaine, le régime ne perd pas de temps. Ils foncent à toute allure. Ils savent ce qu'ils doivent faire. C'est donc à la communauté internationale de faire ce choix. L'heure du choix est arrivée pour la communauté internationale. Il est grand temps, après 30 ans, où le seul dialogue qui a existé avec l'Iran a été, en tout cas, uniquement réservé au régime et à ses représentants, n'est-il pas temps d'engager en dialogue et discussion la majorité des Iraniens, l'opposition démocratique, qui peut être et devrait être la formule de solution et de changement en Iran? C'est l'un de mes messages capitaux dans ce livre. Je pense et je trouve que nous avons, dans un time frame, peut-être d'une année à deux, grand maximum, un temps raisonnable pour pouvoir le faire, à condition qu'on s'y mette tout de suite et qu'on n'assume pas plus de délai que cela. Donc, ceci est en guise d'introduction en mon premier message à vous aujourd'hui. Et donc, je me tiens prêt, dès lors, à répondre à vos questions et vous entendre. Merci beaucoup. Merci. Nous allons prendre des questions, mais la priorité absolue est, bien entendu, aux journalistes. Aussi, je vous prie de bien vouloir veiller à vous présenter, ainsi que nous rappeler le nom de votre média, et surtout, d'éteindre vos portables, parce que j'ai entendu quelques sonneries désagréables. Je vous remercie. Monsieur, allez-y. Merci, Monsieur Pallavi. Jean-Noël Cueno, correspondant à Paris de la Tribune de Genève et de 24 heures à Lausanne. Je n'ai pas très bien compris, au fond, votre point de vue. Vous cherchez quoi de la communauté internationale? Qu'est-ce qu'elle peut faire, la communauté internationale, pour vous aider concrètement à élaborer une démocratie en Iran? Je ne vois pas très bien votre propos. Je pense que j'ai expliqué quand même assez longuement dans le livre, donc je ne vais pas vous relire mon livre aujourd'hui. Je vais vous donner à titre bref, en principe, de quoi il s'agit. Une des stratégies de faire pression sur le régime aurait été, en partie, par exemple, des sanctions économiques ou diplomatiques visant le régime.
Est-ce que cela est nécessaire? Oui. Est-ce que ça a un effet? Bien sûr. Est-il suffisant? Non. Dans une stratégie de forcer un changement de comportement à un régime, si ce n'est pas dans le but de faire changer le régime, qui d'ailleurs n'est l'affaire d'aucun gouvernement étranger, ça c'est l'affaire aux Iraniens et c'est à eux de décider. Mais si l'intérêt c'est de faire pression sur un régime, il faut bien que tôt ou tard cette pression se fasse de l'intérieur de ce pays. Donc ça ne peut pas être uniquement limité à des pressions extérieures. Quel est l'instrument de pression? C'est bien la population qui peut faire la résistance. Ce sont bien tous les réseaux qui existent aujourd'hui à l'intérieur du pays, dans les secteurs différents de notre société, la classe ouvrière, les étudiants, les femmes, les communautés ethniques, enfin bref, tout un secteur différent de notre société qui, dans une campagne de désobéissance civile, pour éviter des confrontations violentes, peuvent faire pression sur ce régime. Quel est le talon d'Achille de ce régime, au fait? Le talon d'Achille de ce régime est éventuellement une crise économique et une paralysie économique. Pour vous citer un exemple très simple, ne serait-ce que si c'était dans un sens un peu à l'improviste. Nous avions eu, il y a quelques mois, l'exemple, par exemple, d'une grève très courte, de très courte durée, par exemple, des conducteurs d'autobus à Téhéran. Ça a paralysé la ville plus que 24 heures. Juste une petite grève. Imaginez ça à l'échelle nationale, d'une manière soutenue et continue pendant des semaines, voire des mois. Cela va certainement être un élément qui peut contribuer facilement à un collapse total du système. Bien entendu qu'on est tous concernés par la misère qui existe déjà, la pression qui existe déjà chez les Iraniens, mais je pense que c'est dans la même logique où, une fois que des personnes comme, par exemple, Nelson Mandela ou Desmond Tutu en Afrique du Sud ont compris que la communauté internationale a finalement décidé d'en finir avec l'apartheid, qu'ils se sont dit, on se serra les ceintures encore un peu plus pourvu que ça contribue à la chute du régime. Et nous ne voulons pas passer par la chute du régime chez nous à travers des interventions militaires étrangères, mais à travers nous-mêmes. C'est là où je vous dis, le coût baisse, c'est moins coûteux et c'est certainement plus légitime. Donc, au fait, pour concrétiser les choses, c'est une question de savoir comment engager ce genre de force à l'intérieur du pays, comment pourrait-on les soutenir, et ça dépend, bien sûr, de mettre en point au niveau de discussion avec ceux qui sont en position de nous entendre aujourd'hui dans la communauté internationale pour trouver effectivement les méthodes et les moyens d'intervenir. Je pense que dans l'ensemble, quand on pense à notre histoire récente, dans les deux dernières décennies, quand on parle par exemple des exemples de changements dans ce qu'on appelle aujourd'hui les révolutions de velours, par exemple dans le bloc Est en Europe, beaucoup de ces mouvements qui ont contribué éventuellement à des changements de régime pour arriver à des résultats démocratiques à travers des méthodes de désobéissance civile, on en a bien connu le résultat et ceci ne s'est pas passé sans qu'il y ait d'une manière ou d'une autre un appui ou un soutien de la part de la communauté internationale, que ce soit au niveau moral, que ce soit au niveau d'assistance technologique, stratégique, peut-être même financière. Il faut trouver les moyens. Nous avons les réseaux sur place. Nous pouvons engager d'une manière organique ces réseaux, les mettre en contact ensemble et à la fois avec non seulement la diaspora, mais aussi avec la communauté internationale. Donc ces mécanismes mis en place, je pense que vous pourrez plus facilement vous concrétiser l'idée de comment éventuellement cela pourrait être fait. L'important, c'est qu'il y ait une volonté de le faire. Et ça devrait faire partie aujourd'hui de la politique étrangère des gouvernements qui veulent trouver une solution pour éviter justement un conflit qui me paraît être de plus en plus inévitable si on continue dans le status quo actuel.